Bonjour à tous, bienvenue dans Côté Comics, l'émission qui fait du comics. Alors au sommaire aujourd'hui, l'actu et les sorties comics, comme toujours. On ira ensuite voir Jeff et Thomas pour une petite sélection spéciale Noël. Et ensuite, un tout sur le label Vertigo de DC Comics. Et ben voilà, vous savez tout, c'est parti. Naviguons ensemble vers l'actu et les sorties comics du mois de décembre. Du nouveau pour le cinéma, du côté de la Warner Bros. Et de DC Comics, puisque l'adaptation du comic book Sleeper est en préparation. Il s'agit d'une série publiée sous le label Wildstorm de 2003 à 2005 par le duo Ed Brubaker et Sean Phillips, qui dépeint les aventures de Holden Carver, un agent infiltré au sein d'une grande organisation criminelle. C'est Ben Affleck, le futur Batman, et Matt Damon qui sont chargés de la production de ce projet en compagnie de Jennifer Todd. Sean Ryan et David Weiner s'occupent eux du scénario, plus d'infos très bientôt. Autre projet encore en phase très précoce de développement, une nouvelle série télé adaptée d'un comic book, et ouais, c'est la mode en ce moment. Il s'agit cette fois de la célèbre série Vertigo, Preacher, de Garth Ennis et Steve Dillon. La série serait produite par Sony pour une diffusion sur la chaîne AMC qui possède entre autres The Walking Dead. À la production, on retrouvera le duo Seth Rogen et Evan Goldberg, à qui l'on doit notamment le film The Green Hornet. Et même mieux que ça, puisque Garth Ennis lui-même devrait être consultant et estime que le projet est entre de bonnes mains. On passe aux comics avec l'annonce d'une nouvelle série pour le personnage de Moon Knight, toujours pour All New Marvel Now. C'est le scénariste britannique Warren Ellis qui aura la tâche de redorer le blason de ce héros qui a du mal à convaincre, accompagné au dessin par le prometteur Declan Shalvey. Moon Knight aura un nouveau costume et continuera d'opérer depuis Los Angeles. Ellis nous promet aussi de s'attaquer aux troubles de la personnalité de Mark Spector de manière beaucoup plus fine et crédible que par le passé. Début en mars 2014. Nouveau chapitre de la saga Daredevil, y aura pas de nouvelle série numérique, papier, white pas white. Et bien en fait la réponse c'est tout ça en même temps. Donc résumons. La série Daredevil de Mark Waid et Chris Samney s'arrête au numéro 36 de février. Mais elle repart au numéro 1 en mars, avec la même équipe créative, pour All New Marvel Now. La grosse différence, c'est que Matt Murdock sera maintenant sous le soleil de San Francisco, et non plus dans les ténèbres d'Hell's Kitchen. Et pendant ce temps-là, une série numérique verra le jour, Daredevil Road Warrior, toujours par Mark Waid, qui nous racontera le voyage de New York à San Francisco. Capiche ? Voilà, bon, quand c'est clair, c'est clair. Merci Marvel, sortie comics tout de suite, allez. On débute avec une série qu'on n'a pas citée jusqu'ici et qui mérite bien qu'on le fasse. Il s'agit d'une des séries phares du label Vertigo, Fable. Cette histoire imaginée par le scénariste Bill Willingham depuis 2002 revisite les célèbres personnages de contes de fées et autres histoires folkloriques populaires en les ancrant dans la réalité de notre monde. Blanche-Neige, le prince charmant, Cendrillon, le grand méchant loup, la belle et la bête, les animaux de la ferme, Pinocchio et j'en passe et des meilleurs, tous sont des fables, chassés de leur monde par l'adversaire et forcés de vivre dans le nôtre. Urban Comics réédite cette série depuis quelques temps, et en décembre sortent les tomes 11 et 12 de la version cartonnée et le tome 20 de la version souple qui a un peu d'avance. Mais vous aurez aussi le droit à Fable Mille et Nuits de Neige, un graphic novel préquel à la série principale dans lequel on retrouve notamment Blanche-Neige. Pour info, la publication américaine se terminera au numéro 150 en janvier 2015. Panini Comics sort un nouveau magazine en ce mois de décembre, il s'agit de Ultimate Saga, qui contiendra des arcs entiers des différentes séries de l'univers Ultimate de Marvel. La première à y passer est la série Ultimate Comics Ultimates avec l'arc reconstruction. Après la division du pays, la disparition du gouvernement en place et l'élection de Captain America comme président des États-Unis, il est temps de se retrousser les manches et de remettre de l'ordre. Une histoire signée Sam Humphries, Scott Eaton et Joe Bennett, sortie prévue le 17 décembre. Delcourt étend l'univers d'Hellboy avec la publication de la mini-série spin-off à l'univers Witchfinder. On y suit le personnage de Sir Edward Grey, le mystérieux détective du paranormal, déjà apparu dans les séries Hellboy et BPRD. Il sera cette fois seul et devra affronter des créatures d'autres mondes, ainsi que les machinations de la confrérie héliopique de Ra. 5 numéros par Mike Mignola lui-même et Ben Stenbeck, disponibles depuis le 4 décembre. En bref, vous pourrez aussi retrouver un numéro du magazine humoristique Mad consacré à Superman, le tome 7 de la série Tony Chu chez Delcourt ou encore le tome 3 de la grande épopée de Picsou chez Glénat. Voilà, vous savez tout pour les sorties et l'actu comics, je passe maintenant la main à Jeff et Thomas, qui vont essayer de nous faire dépenser de l'argent pour Noël. Ah, je sais, c'est pas cool. Voilà, bah portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour à tous, ça y est, on s'approche enfin des fêtes de Noël. Alors du coup, j'ai rejoint Thomas dans sa boutique pour vous présenter quel cadeau vous pourriez offrir à un lecteur de comics. Par contre, étant donné que ce n'est jamais facile d'offrir un comics à un lecteur de comics, on sait pas trop ce qu'il a, on sait pas trop ce qui lui plaît, on va vous présenter plus des produits dérivés ou des choses pour aller
encore plus loin. Et vu que je suis bien élevé, je vais laisser la parole à Thomas vu qu'on est un peu chez lui. À tout à l'heure. Bonjour, je vais commencer cette sélection par quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est la biographie d'Alan Moore. Alan Moore, c'est un auteur mythique de comics. Cette biographie lui rend justement hommage, c'est-à-dire qu'elle est très très belle. On va apprendre plein de choses sur sa vie, sur sa carrière. Il va y avoir même compris dedans un CD avec des chansons qu'il fait, parce qu'il fait de la musique maintenant. Il va y avoir également de nombreuses planches de pas mal de ses œuvres, dont certaines n'ont jamais été traduites en français, donc ça donne vraiment une vision intéressante de tout son univers. Alors je vais commencer par le Dico des super-héros, en fait, qui fait 25€, qui est chez Mouton Électrique, qui est assez intéressant en fait parce qu'il ne se limite pas qu'aux super-héros, on va dire, de comics, c'est-à-dire qu'il touche à plusieurs univers. Alors par exemple, dedans vous avez trouvé les G.I. Joe, mais aussi des super-héros, on va dire, de jeux vidéo, comme par exemple Megaman. Un tout petit bémol, traduction oblige, certains super-héros seront peut-être assez délicats à trouver pour ceux qui viennent de se mettre dans les comics. Par exemple, Martian Manhunter est noté en tant que Martian Manhunter, alors que techniquement, à présent, il s'appelle le Limier Martien chez Urban Comics. Donc quelques petits bémols, mais sinon, au niveau des définitions en elles-mêmes des super-héros, elles sont quand même assez classe, avec des années, des précisions, une ou deux petites anecdotes, quelques illustrations. C'est vraiment très sympa, je pense que ça peut faire plaisir. Donc, comme j'ai parlé tout à l'heure de l'excellent Alan Moore, je vais montrer une figurine qui est tirée d'un de ses comics également culte. Il s'agit de Killing Joke. Donc c'est une figurine du Joker, bien sûr, parce que Joker, c'est le héros de Killing Joke. Ne cherchez pas le comics Killing Joke, il sera réédité qu'en début d'année prochaine. Par contre, cette figurine, fabriquée par Kotobukiya, est vraiment magnifique. Elle coûte un peu plus d'une centaine d'euros. Elle est vraiment très bien. Alors mon petit suivant, c'est les trésors de Spider-Man à 60€ chez Hors Collection. Alors je vous l'avais déjà cité dans une autre émission, mais j'en avais pas énormément parlé, je l'avais pas détaillé. Donc en gros, ça retrace un peu tout ce qui touche à Spider-Man, mais d'un côté un peu plus historique, c'est-à-dire comment il a été créé, etc. Quelles ont été les premières étapes. Ensuite, on va suivre Spider-Man au fil, on va dire, de ses aventures, c'est-à-dire les plus grosses sagas. On va parler aussi un peu des films, et le tout est entouré de pas mal de produits dérivés, comme par exemple tout ce qui est cartes postales, posters, images autocollantes. C'est vrai que c'est assez sympa et ça change un peu du quotidien, il y a même un masque. Donc je pense que pour les fans de Spider-Man, ça peut être vraiment pas mal. Pour finir ma sélection, je vais vous montrer plusieurs choses un peu différentes. Pour rester dans le comics pur, il y a eu cette année, suite forcément au succès du film Iron Man 3, il y a eu beaucoup de figurines qui sont sorties, des vraiment magnifiques. Il y en a un peu pour tous les prix, mais je trouve qu'ils en ont fait des figurines à des prix plutôt raisonnables, autour d'une centaine d'euros. Il y a pas mal de modèles vraiment très sympas. Et pour changer un petit peu, il y a des figurines Star Wars qui sont sorties, qui sont très bien. Alors c'est des figurines, il y a notamment Yoda qui vient de sortir. C'est fabriqué par Atacus. Atacus, c'est une société française. Donc ça, c'est des figurines limitées à 1500 exemplaires. C'est 55€, il me semble. Ce qui est plutôt un prix raisonnable pour des figurines de cette qualité. Ils avaient également sorti dans la même gamme Dark Vador, un peu plus cher, fait à 3000 exemplaires, il me semble. C'est vraiment des super pièces, faites par une société française. On peut le signaler. Alors mon dernier vient de ta chaîne à 40€. C'est le Golden Age de DC Comics. Il y a aussi le Silver Age de DC Comics, hop là, donc 2x40€. Comme vous le voyez, c'est quand même assez épais, donc au niveau du prix, c'est quand même assez attractif, faut pas le nier. Alors qu'est-ce qu'on trouvera dedans? En fait, dedans, vous aurez tout le côté historique qui touche à DC Comics, comment les premiers super-héros sont apparus, notamment Batman, Superman, Wonder Woman, quelles ont été leurs premières aventures, leurs premiers problèmes d'un point de vue plus éditorial. Donc là, c'est pas des histoires, c'est plus un point de vue culturel sur les comics, et donc je pense que ça peut changer, ça peut être vraiment intéressant. Et encore une fois, il y a beaucoup d'illustrations, notamment des covers, donc un cadeau qui peut faire très largement plaisir. Bon bah j'espère que cette sélection vous aura plu, on en a mis un peu pour tous les goûts, tous les budgets. Je pense que l'addition risque d'être salée pour certains, notamment pour notre ami Jeff. Oui, un petit peu. En fait, Noël, c'est toujours assez délicat parce qu'il y a les cadeaux à offrir pour les autres et il y a aussi les cadeaux à m'offrir à moi-même. Donc, c'est pas toujours facile. Et donc, voilà. Et donc, passez des bonnes fêtes et allez chez vos libraires. Vertigo ou le comte Vertigo est un personnage de DC Comics, ennemi de Green Arrow. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à un autre Vertigo, à savoir la filiale de DC Comics qui a été fondée en 1993 par Karen Berger, dans le but de produire des comics fantastiques plus adultes, ce qui peut impliquer plus de violence et ou plus de sexe.
Chose intéressante, vu que c'est une filiale de DC, il n'est pas rare de voir des personnages de DC Comics intervenir dans les histoires de Vertigo. Même si je ne vais pas vous parler de tous les comics de Vertigo, comme d'habitude, la filiale est connue pour produire des comics de qualité, donc n'hésitez surtout pas. Le tout est édité actuellement par Urban Comics, qui a également les droits de DC. Et on va commencer par American Vampire, toujours en cours actuellement aux États-Unis, scénarisé par Scott Snyder, avec Monsieur Stephen King pour le premier arc, et dessiné par Raphaël Albuquerque. On se retrouve dans l'Amérique de la fin du 19e siècle, où le bandit Skinner Sweet est freiné dans sa tentative d'évasion par un vampire venu du vieux continent. Laissé pour mort, il revient à la vie en tant que vampire, mais surtout d'une race plus évoluée. Des années plus tard, à Los Angeles, il contamine en son tour la jeune Pearl Jones afin d'en faire le second vampire de cette nouvelle espèce, plus puissante, plus redoutable et surtout capable de se déplacer même lorsque le soleil est très haut dans le ciel. La volonté première des auteurs était de dégager une fois pour toutes le côté romantique des vampires, réinstallé par Twilight notamment, que les auteurs détestent, pour replacer le vampire dans le rôle du monstre assoiffé de sang. Autrement dit, à travers de superbes dessins, vous aurez droit à de la crasse, beaucoup de crasse même, des corps déchiquetés et tout plein de sang, mais aussi de la manipulation, de l'immoralité et du sadisme. Accessoirement, c'est aussi un bon moyen de réviser vos cours d'histoire si vous devez étudier les États-Unis notamment. Next, 100 Bullets par Brian Azzarello et Eduardo Risso, qui se compose de 100 numéros, soit 18 tomes en France. Le principe est simple, il y a un mec qui arrive et te dit « Salut, ça va ?» Bien, et si je te disais que je peux te donner l'occasion de te venger de toutes les crasses que l'on t'a fait subir par le passé? Et si je te disais aussi, et je peux te l'assurer, vraiment te l'assurer, de ne pas en subir les conséquences, est-ce que tu te vengerais? Voilà, c'est ça 100 Bullets. C'est l'agent Graves qui donne à différentes personnes une arme, 100 balles, totalement intraçable et des preuves irréfutables pour montrer quelle personne est responsable de leur malheur. Bien sûr, l'agent Graves a ses propres motivations. Un comics récompensé pas moins de 6 fois, un scénario original, de grande qualité, et servi par des dessins au top. What else? Et enfin, Y, le dernier homme, par Brian K. Vaughan et Pia Guerra. Le principe est encore une fois très simple. Un jour, tous les porteurs du chromosome Y, autrement dit, tous les mâles de la planète, meurent d'un seul coup. Tous, à l'exception de Yorick, un maître de l'évasion et un singe du nom d'Esperluette. Autrement dit, il n'y a plus qu'un seul homme sur Terre. Hé, je vois ce que vous avez en tête, les hommes. Non, ça ne serait pas correct, par contre. Bon, pas grave. Dans tous les cas, vous vous trompez. Rien à voir avec ce que vous avez en tête, puisque les femmes ne veulent pas du tout se battre pour le dernier homme. A l'inverse, elles se réorganisent, gouvernent le monde, et pensent que si tous les hommes ont disparu, ce n'est pas pour rien, et qu'elles doivent éliminer le fameux dernier homme. Du coup, notre pauvre Yorick doit constamment se cacher, voire se déguiser, pour éviter de se faire massacrer. C'est un comics qui a eu aussi de nombreuses récompenses, avec de très bons dessins, un découpage intéressant, et de nombreux retournements de situation. Personnellement, c'est mon préféré des trois. 3 tomes à ce jour. Voilà pour le petit tour de Vertigo. Pour ceux qui connaissent déjà ces titres, je ne peux que vous conseiller de lire les incontournables Sculpt, Sandman ou V pour Vendetta si ce n'est pas déjà fait. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, une excellente soirée et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook. Vous tapez Côté Comics sur Facebook, vous nous dites quels sont vos comics préférés et nous, on vous met tout plein de petits cœurs comme ça partout. Voilà. Salut tout le monde, bonne soirée.